Mesdames, Messieurs, je ne peux plus me souvenir du nombre de fois que je suis venu à Mango. Je suis tellement venu à Mango que je ne sais plus compter le nombre de fois. J'ai commencé à venir à Mango depuis, on va dire, 92-93. Et depuis, je viens à Mango. Je suis un fils de Mango. Bravo! Ces derniers temps, quand je venais à Mango, j'avais constaté un peu à nos meetings une baisse de l'affluence. Moi, je suis honnête, je le dis. Je me demandais, qu'est-ce qui se passe à Mango? Nous sommes des Togolais. Nous luttons pour que nos frères Togolais aient un niveau de vie décent. C'est tout ce qui nous intéresse. De Lomé jusqu'à Sinkassé, que tout le monde vive correctement. Qu'il n'y ait pas des gens très pauvres et des gens qui sont en haut, qui sont très riches. Non, ça n'est pas bon. Parce que ça finit par l'explosion. C'est pourquoi je peux vous dire, cet après-midi, je suis content. Parce que j'ai retrouvé Mango. J'ai retrouvé l'affluence des années, des premières années où nous venions ici. Et je remercie tous ceux qui sont venus là cet après-midi. Et je remercie plus particulièrement les femmes. Elles sont au moins les deux tiers de cet auditoire. Aujourd'hui, vous êtes là. Ici, tous ceux qui vont entendre notre message, nous leur demandons d'aller diffuser. D'aller diffuser à la maison. D'aller parler. Les femmes, il faut parler à vos maris, à vos enfants. Que l'ANC est venu. Le candidat de l'ANC pour la présidentielle est venu vous dire que c'est lui le meilleur candidat. C'est lui qui va améliorer vos conditions de vie. Depuis 30 ans à peu près que je viens ici, rien n'a changé. Je n'ai pas encore vu une route goudronnée. Bon, en dehors de la grande route, de la grande nationale, pas une route goudronnée. Est-ce que vous n'aimez pas ce qui est bien? Vous aimez? Pourquoi on ne vous donne pas? Il ne veut pas, ça va être. Vous avez besoin, comme tout le monde, de ce qui est bien, de ce qui est beau. Il faut qu'on vous le donne. Il y a des gens qui sont là. Ils sont là depuis plus de 50 ans. Ils vont encore vous donner quelque chose. Ce qu'ils ne vous ont pas encore donné, maintenant ils vont vous le donner. Non, c'est fini. Ils ont montré qu'ils ne peuvent plus rien donner. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est venu ici dans le dit plus que Jean-Pierre Fabre? Non. Non. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quelqu'un qui connaît Mango. Oh, c'est pas Mango. Mango, Gando, Nagwene, Bakwasi, Galangasi. Galangasi, Takwemba. Je suis allé à Takwemba. C'est loin. Eh, c'est loin. Mais comme l'a dit tout à l'heure M. Dupuis, quand on aime les gens, on va les voir pour leur parler, pour voir comment ils vivent. Si on veut changer leurs conditions de vie, il faut voir comment ils vivent. Et je suis allé partout ici. Il y a un seul qui connaît le Togo.
le seul qui connaît le Togo et qui se préoccupe de vos conditions de vie parce qu'il vient voir comment vous vivez. C'est pour celui-là qu'il faut voter. Donc, on ne vote pas pour un candidat parce que il est du même village que soi. Quelqu'un peut être du même village que vous et être très mauvais. C'est vrai ou c'est faux? Quelqu'un, même votre frère peut être mauvais. C'est malheureux, mais c'est la vie. Votre frère peut être mauvais. On ne vote pas pour quelqu'un parce que il est du Nord. Moi, je suis du Nord. Je vote pour lui. Ça ne veut rien dire. Il y a des hommes mauvais au Nord. Il y a des hommes mauvais au Sud. Il y a des hommes mauvais partout. Il y a des hommes bons au Nord et des hommes bons au Sud. Donc, ce sont des appartenances dont il ne faut pas tenir compte. Il n'y a qu'une seule chose qui nous intéresse aujourd'hui. Qui a montré par sa vie, par sa manière de se comporter, qu'il peut conduire le Togo et améliorer vos conditions de vie. Celui qui a montré par son comportement qu'il peut conduire notre pays et améliorer vos conditions de vie. Construire des hôpitaux, construire des routes, construire des écoles, faire des forages pour que vous puissiez boire de l'eau potable. Celui-là, c'est Jean-Pierre Farr. Parmi les candidats, celui-là, c'est Jean-Pierre Farr. Voter, c'est très bien. Aller voter, c'est très bien. Tout le monde doit voter. Bon, maintenant, ne dites pas, j'ai voté pour Fabre, j'ai fait ce qu'il m'a demandé, j'ai fait ma part. Fabre n'a qu'à faire sa part. J'ai voté pour lui, il n'a qu'à se débrouiller pour être élu. Si on fait ça, on n'en fait que la moitié du travail. Et là, c'est à nous tous, à tous les Togolais. Si tu as le droit de voter, si tu votes et que tu votes pour Jean-Pierre Farr, après on dit que c'est Kofi qui a gagné. C'est ton vote qu'on a volé. C'est pas le vote de Jean-Pierre Farr. Tu as voté pour Jean-Pierre Farr. On a donné ça à Kofi. Toi tu dis, moi j'ai déjà voté pour Farr, hein. Il n'a qu'à se débrouiller. On vote pour lui, on vote pour lui. Non. C'est ton vote qu'on a volé. On a pris ton vote pour donner à quelqu'un d'autre. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Est-ce que si on vole quelqu'un d'autre se bat pour la personne? Non. C'est toi-même qui dois te battre pour ton vote. C'est vrai ou c'est faux? Donc, si vous voulez voter pour moi, vous et moi, on va se battre pour préserver votre vote. Vous n'allez pas dire j'ai voté pour Fabre, moi je vais dormir, je vais faire mon travail. Non. Est-ce qu'on a bien compris? C'est ensemble, Jean-Pierre Fabre, pour qui vous avez voté, vous qui avez voté pour Jean-Pierre Fabre, ensemble on va dire, ce n'est pas pour que si on a voté pour Jean-Pierre Fabre.